Très bien, on va recommencer. Donc cette fois, on change un petit peu d'angle théorique. On va passer plutôt au niveau de la cognition artificielle. Et donc c'est Nicolas Rougier qui est ici, qui est chercheur à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatisme, qui va vous parler de cognition incarnée. Alors la cognition incarnée, c'est globalement comment le corps peut influencer la cognition. Donc ça peut paraître a priori un peu déconnecté comme grand principe entre un corps physique et la cognition qui pourrait plutôt paraître intellectuel abstrait. Et bien en fait, le fait que la cognition s'exprime par le biais du corps et que les apprentissages sont modulés par le corps, ça a une influence directe quand on cherche à modéliser justement au niveau de la cognition artificielle les principes, les apprentissages, la prise de décision. Et je laisse Nicolas Rougier vous en parler. Merci, et très bonne introduction, j'ai presque plus rien à dire. Bon, je vais juste délier un petit peu le discours. Donc oui, je travaille à l'INRIA et je travaille aussi à l'Institut des maladies neurodégénératives. Donc mon domaine de recherche, c'est les neurosciences computationnelles. Et donc je vais tenter de vous parler de cognition incarnée, de ce qu'on a pu essayer d'en comprendre au travers des neurosciences, de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Et avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon chat. J'ai un chat à la maison. Donc ça fait, elle a 14 ans, donc elle commence à être un peu vieille, mais de fait, je commence à la connaître très très bien. Donc je peux interagir avec elle, et notamment, je sais quand est-ce qu'elle a faim, quand est-ce qu'elle veut jouer, quand est-ce qu'elle veut sortir, quand est-ce qu'elle veut rentrer, ou quand est-ce qu'elle veut un câlin. Et de la même façon, je sais aussi lui dire quand elle veut jouer, ben non, là j'ai pas envie de jouer. Donc c'est assez étonnant, parce que même si elle n'a pas le langage, j'arrive très très bien à communiquer avec elle. Et une des questions, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Parce que donc, dans cette même maison, il y a le chat, mais on a aussi des araignées. Alors j'ai essayé la même approche avec les araignées, j'aurais donné des petits noms, ma femme n'est pas d'accord, il faut les mettre dehors, mais j'essaye aussi d'interagir avec elle, et là en fait, ça va pas très bien marcher. Donc une des questions que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on ait certains êtres vivants qui ne sont a priori pas humains, avec lesquels je peux interagir, et d'autres, je vais interagir très peu, voire je vais les manger vivants, comme des huîtres. Bon, moi, je n'aime pas ça, donc je n'en mange pas, mais ça ne me pose aucun problème. Ou de façon, une autre espèce, ça va être les moustiques. Ça ne me pose aucun problème d'aller tuer un moustique parce qu'il vient de me piquer. C'est son mode d'interaction. Donc voilà les questions à la base, entre autres questions. Et pour ça, il faut s'intéresser effectivement à ce que peut être la cognition. Alors la cognition, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé, mais c'est un mot qui reste in fine très difficile à définir. Parce qu'en fait, la cognition, ça va rassembler tout un tas de concepts. Donc certains sont centraux, d'autres un peu moins, mais surtout, selon les espèces que l'on va considérer, la cognition va s'exprimer différemment. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est que si on s'amuse à prendre un certain nombre d'articles traitant de la cognition, qu'on en fait un nuage de mots comme je l'ai fait ici, on va retrouver des mots-clés, des choses qui paraissent essentielles à la cognition. Donc au centre de la cognition, on va trouver évidemment l'apprentissage, c'est-à-dire la capacité à apprendre et à modifier son comportement en fonction de l'expérience. Donc ce qui va de pair avec l'apprentissage, évidemment, c'est la mémoire. Les autres choses extrêmement importantes sont évidemment la perception et l'action. Donc si je n'ai pas de perception, je n'ai pas le matériau de base pour exprimer la cognition, et en regard, si je n'ai pas la possibilité d'agir, je ne peux pas exprimer ma cognition. Je ne peux pas parler, je ne peux pas bouger mes muscles, je ne peux pas manger, je ne peux rien faire. Donc ça paraît des choses assez évidentes. À des niveaux alors qui ne sont pas forcément moindres, mais évidemment, on va retrouver des choses comme l'attention, qui peut être visuelle, motrice, on va retrouver les émotions, la prise de décision, l'utilisation de la mémoire associative, la navigation, les stratégies. Tout ça peuvent être regroupés sous le terme très générique de la cognition. Et donc là, ici, à droite, je vous ai mis différentes espèces que l'on pourrait... que l'on peut qualifier d'être cognitif au sens où ils vont montrer toutes ces la plupart de ces propriétés.
Et donc, quand on veut étudier ça, ben, une démarche légitime en tant que scientifique, c'est on va prendre le plus petit organisme qui a un réseau de neurones, puisqu'on pense que la cognition va être supportée par le système nerveux. On va aller prendre le plus petit organisme. Et le plus petit organisme, c'est un petit ver qui s'appelle C. elegans. Donc vous avez le nom complet ici que je ne vais même pas essayer de dire. En général, son petit nom, c'est C. elegans. C'est un petit ver qui fait 1 mm et qu'on va trouver dans les fruits pourris ou dans les tas de compost. Et ce petit ver, il a 302 neurones. Exactement 302 neurones. Donc c'est vraiment tout petit. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 302 neurones ? Ben, en fait, on peut faire, et ça c'est vraiment étonnant, on peut faire énormément de choses. Notamment, on peut avoir un comportement sensorimoteur. Donc le ver est capable de se déplacer dans son environnement, d'aller trouver sa nourriture, d'aller trouver ses partenaires sexuels, et donc de vivre sa vie. Plus étonnant encore, il peut aussi apprendre et donc avoir de la mémoire. Donc on aurait pu penser que c'était évident, puisqu'on a des neurones, donc on va être capable de modifier leur fonctionnement, comme dans un système nerveux. Mais le fait de le mettre en évidence, c'est quelque chose qui est relativement récent. C'est là encore quelque chose d'étonnant. Et encore plus étonnant, il peut faire de la prise de décision. Donc prendre une décision, ça veut dire aussi qu'il faut reconnaître une situation où il y a une décision à prendre qui peut être A ou qui peut être B, mais il faut reconnaître la situation et prendre cette décision. Donc c'est vraiment quelque chose de... Ce petit ver est vraiment étonnant, parce qu'avec 302 neurones, finalement, on retrouve des concepts qu'on pensait liés à la cognition, qui étaient extrêmement importants, et ce ver va exhiber toutes ses propriétés. Alors après, évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'il a des émotions, est-ce qu'il a des stratégies, des choses comme ça. Mais déjà, d'avoir ces trois propriétés, c'est étonnant. Donc pour la question, c'est est-ce que ça va suffire à la cognition. Donc là, j'ai mis probablement pas, mais effectivement, on n'en a pas la preuve définitive. Ce qui est presque sûr, c'est que je ne vais pas forcément pouvoir interagir avec lui. Et donc, la façon de la cognition telle que je peux la penser au sens le plus général, je ne vais pas lui prêter ce genre de cognition. Par contre, pour vivre sa vie de ver épanouie tout au long de sa vie, ben, ces 300 neurones vont être suffisants. Alors, si on part de ces 302 neurones et que maintenant on regarde quelques systèmes nerveux, donc là, j'ai mis quelques chiffres. Donc tout en haut, on a l'humain. L'humain avec 86 milliards de neurones. Donc là, évidemment, la masse de neurones, ça n'a plus rien de comparable. C'est vraiment quelque chose de gigantesque. Et là, il ne s'agit que des neurones. Je ne parle pas des connexions entre les neurones. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe. Et puis ensuite, je peux descendre selon les espèces et aller compter le nombre de neurones qu'il y a au niveau du cerveau. Donc il y a un nouveau métier, c'est compteur de neurones en neurosciences. Donc en fait, non, c'est une nouvelle technique qui a été mise au point par ces gens qui permet effectivement d'aller estimer le nombre de neurones. Donc c'est pour ça qu'avant, on pensait qu'il y avait à peu près 100 milliards de neurones. Aujourd'hui, le chiffre chez l'humain, c'est plutôt de l'ordre de 86 milliards. Donc là, ça vous donne à peu près les ordres de grandeur qu'on peut retrouver chez les différentes espèces. Et c'est évident que je peux interagir avec un macaque comme je le faisais avec mon chat. Je peux encore le faire avec un rat. Par exemple, il y a des gens qui ont des rats domestiques. On peut interagir avec eux. Je peux le faire avec la souris. Et la question, c'est jusqu'où je peux descendre comme ça ? Est-ce qu'il y a à un moment quelque chose qui va faire que, oui, effectivement, je vais pouvoir interagir avec un être et en dessous de cette barrière, il ne va plus rien se produire, comme avec le cas, de l'araignée ou du petit ver. Et donc, il faut aller voir un peu les hypothèses. Qu'est-ce qui va faire que ça va rendre ces cerveaux un peu particuliers ? Alors, il y a des hypothèses qui sont fausses. Par exemple, on pourrait penser que ça va être la taille du cerveau. Donc, cette fois, la taille en termes de volume. Parce que, par exemple, on sait que le cerveau n'est pas le cerveau humain n'est pas le plus gros dans l'espèce, dans le règne animal. De la même façon, on pourrait dire que c'est la taille du corps. Donc évidemment, il y a des espèces qui sont largement plus grosses que nous. On pourrait aussi parler de la proportion relative de la taille du cerveau par rapport à la taille du corps. Et là aussi, on va trouver d'autres espèces où le rapport va être plus grand.
Donc, si ce n'est pas forcément ce nombre de neurones, qu'est-ce qu'on peut aller regarder d'autre? On peut aussi aller s'intéresser aux structures même du cerveau. Donc aujourd'hui, on connaît très bien le cerveau des mammifères. On sait qu'elles ont des structures communes. Donc là, je vous en ai listé quelques-unes. Et ce qui pourrait être légitime comme démarche, c'est de se demander, est-ce qu'une structure en particulier va être responsable de cette interaction, de cette cognition que l'on va prêter aux animaux? Donc j'ai mis d'autres, ça pourrait être le cortex frontal, ou bien les ganglions de la base pour la prise de décision, l'amygdale pour les émotions, ce genre de choses. De la même façon, en dehors des structures, on pourrait se poser la question de savoir est-ce que ça va être cette fois l'architecture du cerveau. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir, même si on a les mêmes structures, d'avoir plus de neurones à tel endroit? Est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de connectivité entre telle et telle structure? Donc ça, ce sont des hypothèses légitimes qu'on peut aller fouiller. Troisième hypothèse, on pourrait aussi s'intéresser à ce que ça veut faire effectivement les organismes. Donc ça vient notamment de la psychologie. On a toute une batterie de tests. Donc notamment, il y a la capacité à se reconnaître soi-même dans un miroir. Donc c'est ce qu'on appelle le test du miroir. Donc vous mettez un animal devant le miroir et on a des protocoles pour savoir s'il reconnaît son image dans le miroir. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a tout un pas mal d'animaux qui arrivent à passer ce test et d'autres n'arrivent pas à le passer. On pourrait se poser la question sur la capacité à imiter. Certains êtres vont être capables d'imitation, d'autres non. De la même façon, on peut se demander pour l'utilisation des outils et la communication. Donc communication, pas au sens du langage, mais au sens d'émettre des signaux pour effectivement communiquer. Donc tout ça serait très bien si on n'avait pas ici, je vous ai mis la pieuvre. Donc la pieuvre, c'est vraiment un animal étonnant parce que pratiquement toutes ses propriétés, elle va être capable de les faire. Donc notamment, sur l'utilisation d'outils, il y a une expérience qui est absolument étonnante où on va prendre un crabe qu'on met dans une bouteille transparente parce que la pieuvre aime bien les crabes et on va fermer la bouteille avec un bouchon de sécurité. Donc bouchon de sécurité, ça veut dire qu'il faut d'abord appuyer sur le bouchon et ensuite tourner le couvercle pour ouvrir. Lorsqu'on va la pieuvre va voir ce crabe, elle va chercher en tâtonnant, et puis à un moment, elle va trouver. Et une fois qu'elle aura trouvé une fois, elle va être capable de réouvrir ce bocal. Si maintenant, on prend une autre pieuvre et qu'on lui montre cette pieuvre en train d'ouvrir le bocal, la deuxième pieuvre va comprendre comment ouvrir le bocal et à son tour sera capable d'aller ouvrir la bouteille. Alors pourquoi c'est étonnant? Parce que le cerveau de la pieuvre, en fait, est extrêmement différent du cerveau des mammifères. Donc, en général, on dit qu'elle a plutôt 9 cerveaux qu'un seul. Donc, il y a un cerveau central, et en fait, on va trouver des grosses masses de neurones au niveau de chaque tentacule, et ces masses de neurones sont pratiquement des cerveaux indépendants. Donc, ça met en l'air pratiquement toutes ces hypothèses, et ça nous incite à aller chercher peut-être d'autres explications pour ce problème de la cognition. Alors une fois qu'on a dit ça, d'où est-ce qu'on peut partir? Quelles sont les hypothèses et les différents champs de recherche qui vont nous aider? Le premier, évidemment, le plus naturel, ça va être d'aller voir du côté de la biologie, de la neurobiologie, de l'éthologie, de savoir, de rassembler tous les faits qu'on peut avoir en termes d'anatomie, de physiologie et toutes les données expérimentales. Donc on en a vu un certain nombre ce matin et juste avant sur les abeilles. Donc tout ça va nous aider à essayer de comprendre le fonctionnement. Et si on s'intéresse à la cognition, on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on appelle donc la cognition incarnée, c'est-à-dire l'importance du corps dans la cognition. Ça paraît bête à dire, mais ça a été ignoré pendant quand même assez longtemps, que le cerveau ne peut pas survivre sans un corps. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas extraire un cerveau d'un corps et espérer qu'il fonctionne. Mais en fait, ça va aller bien au-delà de ça, puisque la forme même du corps, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer, va avoir un impact sur la cognition qu'on va développer. Donc le fait qu'on ait 5 doigts, des pouces opposables, de la peau élastique, tout ça joue un rôle sur les capacités qu'on peut développer. En plus de ça, on a maintenant, là c'est plus peut-être du côté de l'intelligence artificielle, on a
enfin, et de la psychologie cognitive, on a des hypothèses pour venir en plus nous aider. Et notamment, on a ce qu'on appelle l'hypothèse de subsumption, donc c'est le terme anglais, pour dire que si on veut construire des modèles qui vont agir dans le monde, on n'a pas besoin d'avoir une représentation du monde complète à l'intérieur du cerveau. Donc l'idée, c'est de dire que vous naissez dans un monde, par exemple, où il y a la gravité existait avant que vous arriviez, mais ce que vous avez besoin de faire, c'est d'apprendre à vous servir de la gravité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une représentation des équations de la gravité que, de toute façon, on ne connaissait pas avant les équations. Et l'idée, c'est qu'on va simplement pouvoir s'en servir. Alors, ça veut dire quoi, s'en servir? Ben, c'est constater que lorsque vous allez tenir un objet, lorsque vous ouvrez la main, l'objet va tomber. C'est tout ce qu'on a besoin d'apprendre. Apprendre qu'une certaine action va avoir une certaine conséquence. Alors après, il y a ensuite tout un tas d'autres hypothèses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les émotions vont jouer un rôle, là aussi, fondamental dans l'apprentissage. Donc l'apprentissage ne va pas être quelque chose de neutre, ça va être coloré par les émotions, et ça va venir modifier l'apprentissage. Si maintenant on veut s'intéresser à la cognition artificielle, si on veut la construire, ben là aussi il va falloir poser des hypothèses pour commencer ce travail. Donc ce que j'appelle les paradigmes computationnels. Il faut en choisir un et le développer, mais donner les hypothèses de départ et développer les modèles dans le cadre de ces hypothèses. Donc c'est ce que Pierre-Yves vous a proposé ce matin avec les modèles qu'il a présenté. Évidemment, ce qui va être important là-dedans, comme on s'intéresse à la cognition, c'est les capacités d'apprentissage et de mémorisation. Et là où on va avoir un problème, et c'est ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, ce concerne l'évaluation des modèles. Donc on va faire des modèles informatiques, donc ça on sait très bien faire depuis quand même maintenant pas mal d'années, et autant lorsqu'on veut résoudre un problème concret, c'est très facile de venir évaluer ces modèles, parce qu'on peut dire est-ce que le problème va résoudre la tâche, est-ce qu'il la résout avec telle précision, est-ce qu'il la résout en tant que temps, donc tout ça c'est des choses qui sont parfaitement quantifiables. Si maintenant on prétend vouloir modéliser la cognition, comment est-ce que je vais pouvoir évaluer ce modèle et dire oui, j'ai l'impression qu'il est un peu, beaucoup, pas trop cognitif. Là, on a quelque chose, un problème relativement difficile à appréhender. Il faudra essayer de le résoudre ou en tout cas apporter des réponses par rapport à ça. Dernier point, il y a tout le contexte philosophique qui tourne autour de ces questions. Et là, il y a des grandes questions philosophiques qui existaient avant l'informatique, mais qui ont repris, on va dire, de la vigueur avec l'arrivée de l'informatique. Donc là, je vous parle des années 50. Notamment, c'est poser rapidement la question pour l'IA de savoir est-ce qu'on pourra faire un jour un être artificiel. Et donc là, il y a toujours deux grandes hypothèses. La première étant de dire oui, on pourra le faire. Donc ça, on va parler d'IA forte. La deuxième étant de dire non, on n'y arrivera pas parce qu'il va manquer des choses, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, et l'ordinateur, l'informatique ne seront que des outils pour aller étudier le cerveau. Ensuite viennent toutes les théories de l'émergence, et là aussi je vais le développer parce que nous, ces théories de l'émergence vont nous poser des problèmes en termes de modélisation. Parce que si on veut mettre en avant ces propriétés d'émergence, il faut être absolument et tout à fait sûr que ce sont bien des propriétés émergentes et que ce ne sont pas des propriétés qui ont été introduites par le modélisateur. Et donc là, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Enfin, il y a tout ce qui est théorie de l'esprit. Donc ce qui se cache derrière, c'est toutes les théories de la conscience. Et là, je ne vais pas en parler, c'est hors de mon domaine de compétences. Mais le débat est encore très chaud, entre guillemets, pour dire le moins, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de théories qui s'affrontent et qui ne s'affrontent pas forcément très, très gentiment, quoi. Donc il y a des textes assez, assez durs où les philosophes ne sont vraiment pas d'accord entre eux. Alors pour commencer, parce que encore une fois je me situe dans le domaine des neurosciences computationnelles, ce qui paraît le plus naturel, c'est d'aller voir le cerveau,
de plus près et d'essayer de copier son fonctionnement. Mais pour faire ça, il faut d'abord commencer par choisir un niveau auquel on va s'intéresser. Le cerveau, vous pouvez le regarder vraiment à différentes échelles. La plus basse étant le niveau moléculaire, donc je ne parle même pas du niveau atomique, on va en faire l'économie, mais on peut aller s'intéresser au cerveau au niveau moléculaire, notamment à tout ce qui concerne les neurotransmetteurs. Donc ça, il y a pas mal de gens qui s'y intéressent, et notamment, ça va être pour la médecine et pour la pharmacologie, pour savoir comment une molécule peut aller agir sur les neurones ou sur le blocage d'un ou de plusieurs neurotransmetteurs. Au niveau du dessus, on peut aller s'intéresser aux neurones individuels et aller voir l'arbre dendritique ou l'axone, quelle est sa géométrie, comment il va créer des connexions avec les autres, parce que tous ces paramètres vont avoir une influence sur la transmission de l'information d'un neurone à un autre. Le niveau le plus commun, ça va être de modéliser le cerveau en modélisant les neurones individuellement. Donc on va modéliser un certain nombre de neurones qu'on va mettre en réseau, et on va faire fonctionner ces modèles, en espérant qu'ils exhibent un comportement qui montre les propriétés qu'on cherchait, ou qui montre les propriétés qui vont nous satisfaire. Et ensuite, on peut aller à des niveaux encore au-dessus, donc au niveau directement des lobes. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la vision, plutôt que d'aller modéliser tous les neurones du lobe occipital, donc qui est, pour faire court, responsable de la vision, on peut aller directement écrire un programme qui est en charge de voir et de reconnaître des choses dans les scènes. Et au niveau tout à fait au-dessus, on peut aller directement modéliser le cerveau dans son ensemble. Donc là, on va créer un modèle qui va être directement un cerveau. Alors pourquoi on fait ça? Par exemple, les gens qui vont faire des systèmes multi-agents, on a vu le cas des termites. Si on veut modéliser toute une société de termites, on va modéliser assez directement le cerveau des termites parce que le comportement reste relativement simple. Donc toutes ces démarches sont légitimes et dans les travaux que nous on promeut, on va s'intéresser à ce niveau neuronal. Et ce qu'on cherche à faire derrière, c'est ce que je vous ai dit, c'est de l'émergence. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on contrôle absolument les modèles. Et pour contrôler les modèles, ça veut dire qu'on doit rejeter ce qu'on appelle l'homoncule ou le superviseur. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion d'homoncule qui remonte à déjà quelques années, notamment aux années de Descartes. L'idée était de dire que pour expliquer le cerveau, il se trouvait dans le cerveau un petit être qu'on appelait homoncule et qui était là aux commandes du cerveau. Si on accepte cette hypothèse, évidemment, la question d'après, c'est mais s'il y a un petit être, qui contrôle ce petit être? Qui est dans la tête de ce petit être? Pas de souci, il y a un autre homoncule dans la tête du premier homoncule. Et on peut encore poser la question comme ça à l'infini. Donc à la fin, on n'a pas de solution. On se retrouve avec un cerveau, et dedans il y a un cerveau, et dedans il y a un cerveau, et on ne s'en sort pas. Donc ça, évidemment, il faut rejeter cette hypothèse. Alors dit comme ça, ça paraît assez évident. Mais lorsqu'on va construire les modèles, on va se retrouver avec ce genre de problème si on n'y prend pas attention. C'est-à-dire que sans le faire exprès, sans le vouloir, nous pouvons nous leurrer nous-mêmes quand nous construisons les modèles et introduire l'équivalent de cet homoncule dans les modèles. Donc il faut être extrêmement vigilant quand on va faire, c'est qu'on va construire ces modèles. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le cadre computationnel qu'on utilise pour faire les modèles. Donc c'est pas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on propose un certain nombre de propriétés. Donc là, on va faire des calculs, ce qu'on appelle des calculs distribués. Donc ça veut dire qu'on va avoir tout un ensemble de neurones qui vont calculer tous en même temps, sans aucune condition. Tout le monde calcule en même temps et on doit avec ça faire émerger un comportement. Asynchrone, c'est pas forcément un point important aujourd'hui. Numérique, c'est-à-dire qu'on va donner simplement au modèle des données numériques. Donc des données numériques, ça va être par exemple des images qui viennent de la caméra et on donne ça directement au modèle. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui préciser qu'ici, il y a une bouteille qui est posée sur la table, on ne va pas décrire la scène, on envoie des valeurs numériques, charge au modèle de se débrouiller avec ça et d'en faire quelque chose. Et adaptatif parce qu'on veut que le modèle apprenne quelque chose, qu'il apprenne de son expérience et qu'il apprenne à s'améliorer. Donc l'idée, ce que j'ai ressouligné ici, c'est qu'on veut que les propriétés émergentes des modèles soient bien des propriétés émergentes du modèle. J'insiste beaucoup là-dessus parce que ça va être quelque chose
d'assez important pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce paradigme de calcul? Je vous ai mis un exemple extrêmement simple. Ici, on a deux équations différentielles. Donc, peu importe le nom. Ce sont deux équations mathématiques qui décrivent comment une quantité x augmente au cours du temps et comment une quantité y augmente au cours du temps. Et ce qui se passe dans ce système, c'est que là, on a un terme qui dit que naturellement, ces deux variables ont tendance à revenir vers zéro s'il ne se passe rien. Donc si on les laisse comme ça dans la nature, hop, elles reviennent vers zéro et elles restent à l'état zéro. Éventuellement, on peut leur fournir un courant d'entrée. Et à ce moment-là, les deux variables vont atteindre ce courant d'entrée. Et chose plus intéressante, c'est que ces deux variables sont liées. Donc l'une va agir sur l'autre, et inversement. Donc en fait, ce que modélise ce système, c'est un phénomène de compétition. Il y a deux variables, lorsqu'on leur donne un courant d'entrée, qui veulent augmenter, mais dès qu'il y en a une qui augmente, elle a tendance à dire à l'autre, « Toi, il faut que tu baisses. » Et l'autre fait la même chose. Elle commence à augmenter, elle dit à l'autre, « Mais toi, il faut que tu baisses. » Et la question, c'est mais qui va gagner si moi j'augmente et je te dis toi tu baisses, moi j'augmente et je te dis toi tu baisses, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est écrit ici, c'est que si on fait des calculs qu'on modélise, qu'on simule parfaitement ces deux équations, on va atteindre un état ici où les deux particules vont atteindre cet état où tout le monde, les deux valent 1. Et si jamais il y a un tout petit peu de bruit qui est introduit dans le système à un moment, peu importe la nature du bruit, donc là, ici, c'est le point de départ des deux particules qui n'est pas le même, à ce moment-là, le système va basculer dans un état ou dans un autre. C'est-à-dire qu'au début, on part comme ça, puis à un moment, ça va faire comme ça. Une variable va être à 1 et l'autre va être à 0. Ou alors, ça va être le cas inverse, l'autre va être à 1 et l'autre à 0. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? En fait, on a fait un système qui va prendre une décision. Donc, si je n'ai pas de bruit, je suis dans un état parfaitement symétrique. Et dès que je vais introduire un peu de bruit, le système va basculer dans un état ou dans un autre. Donc c'est ce qu'on va appeler une décision. Il n'y a pas de jeu dans ce modèle, mais on va constater qu'il va aller vers un état A ou alors vers un état B. Et cette idée de compétition entre ces deux particules, tout ce que je vais faire ensuite, c'est de l'étendre avec plusieurs particules. Alors ces particules, en l'occurrence, c'est des neurones. On pense que dans certaines modélisations que je vais vous montrer, c'est comme ça que les neurones vont interagir. Ils vont être côte à côte, par exemple, au niveau du cortex. Et les neurones qui vont être proches les uns des autres vont avoir tendance à s'exciter mutuellement. Donc ils vont s'envoyer des informations pour que leur potentiel de membrane augmente. Alors que les neurones qui vont être plus lointains, ils vont avoir tendance à les inhiber. C'est ce que je vous ai mis ici, et ça sera la dernière équation. Mais c'est comme ça qu'on va modéliser un neurone au sein de ces systèmes. Ici, on a ce qui est censé représenter le potentiel de membrane, et on décrit son évolution au cours du temps en fonction de l'information qui est apportée par les autres neurones, donc c'est ce qui est mis ici, en fonction d'un courant d'entrée et en fonction de ma propre activité. Ça résume à peu près le fonctionnement de ce neurone. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire pas mal de choses. Donc là, je vous ai mis quelques propriétés du système. Et j'ai mis « remarkable » and « remarked » pour dire que c'est des propriétés qui, fonctionnellement, moi, en tant que modélisateur, m'intéressent. C'est-à-dire que ici, je mets un signal d'entrée, donc c'est la courbe bleue, et je donne ça au modèle, et je vais simuler le modèle pour avoir sa réponse. Sa réponse va être ici un pic d'activité. Donc là, partout, vous avez des neurones, et là, vous avez tout un groupe de neurones qui se met à s'activer à un endroit précis du signal. C'est l'endroit du signal où il y a le plus d'informations. De la même façon, cette fois, je peux reprendre l'exemple avec les deux particules. Donc cette fois, je vais mettre deux paquets d'entrée activés, et je vais faire fonctionner le modèle, et là encore, il va prendre une décision, il va aller se focaliser sur l'un ou l'autre paquet. Et je peux encore avoir comme ça d'autres propriétés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ce système, ça nous a permis, à moi et mes collègues, d'étudier l'attention visuelle. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais la première chose qu'on voulait modéliser dans l'attention visuelle, c'était la capacité à suivre une cible visuelle. Donc par exemple, si euh, j'ai,
pas de pointeur laser, mais si j'en avais un, si je vous le mets comme ça au niveau de l'écran, vous êtes capable, avec vos yeux, d'aller suivre ce point. La question, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc ça, on peut le faire avec ce modèle très simple que je viens de vous montrer. On reprend cette même équation. En entrée, je mets une image que j'obtiens via une caméra. Donc voilà, ça, c'est l'image de la caméra. Bon, elle est simulée, je vous montrerai après avec les vraies images. Et je demande, je vais essayer de mettre le film en route, je fais fonctionner le système. Bah, dès les toutes premières millisecondes, on va avoir ce système qui vient se focaliser ici sur ce stimulus. Une fois qu'il a attrapé ce stimulus, il ne va plus le lâcher, et malgré une somme absolument énorme de bruit, il ne va pas lâcher ce stimulus. Il est capable de le suivre. Alors, il est capable pour des raisons purement spatio-temporelles, parce que ça va être sur la durée et sur l'espace le seul signal cohérent dans la zone où il est. Mais donc, ça va effectivement fonctionner. On peut faire la même expérience, cette fois en rajoutant des distracteurs. Donc, on demande au système de se focaliser sur le... Enfin, on ne lui demande pas, c'est une propriété émergente du système. Il va se focaliser sur ce stimulus, et les distracteurs qu'on rajoute au fur et à mesure ne vont pas le perturber. Alors, pas trop le perturber, il ne faut pas qu'on ait non plus trop de distracteurs, puisque au bout d'un moment, le système va décrocher. De la même façon, on peut se demander, est-ce que forcément il va aller voir le plus gros stimuli? Donc cette fois, on va présenter un petit stimulus visuel, et on va rajouter d'autres distracteurs qui cette fois sont spatialement et temporellement cohérents, mais encore une fois, le système va être capable de suivre la cible. Alors comment on sait qu'il est capable de suivre la cible? Ben, en fait, cette activité qui a émergé via le calcul, on va la décoder et on va reporter la position décodée sur les stimulus. Donc ce petit point jaune que vous voyez à chaque fois, c'est la position que j'ai décodée dans ce modèle. Donc je sais qu'il est en train de regarder ce stimulus. Alors je sais et en même temps je ne sais pas. Donc j'ai fait volontairement un raccourci, parce que je vous ai dit, on décode cette activité. Et c'est là où on commence à avoir un problème de modélisation et d'interprétation et de projection. Donc je vous ai montré ces films où l'on voit le stimulus bouger. Et ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la façon dont j'ai représenté cette activité, elle n'est pas innocente. J'ai repris, là j'ai 40 x 40 pixels en entrée, et là j'ai 40 x 40 neurones, je les ai représentés en grille comme ça. D'accord ? Comme ça, ça permet de faciliter le fait qu'on voit, qu'on peut identifier visuellement, nous, très facilement, cette activité avec celle-là. Cette représentation des neurones, si vous regardez dans le cerveau, évidemment, elle n'est pas du tout comme ça. Je pourrais avoir des neurones qui pourront être à différents endroits, ou là, plus simplement, cette carte, je pourrais la retourner comme ça, la mettre tête en bas. Et si je fais ça, si je mets tête en bas, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, cette fois, je vais interpréter cette activité comme étant quelque chose qui regarde à l'opposé de là où il y a un stimulus. D'accord ? Donc ça, on peut le retrouver plus simplement, c'est si je veux me servir de ce modèle avec un robot, ben ça veut dire que cette carte d'attention visuelle, il faut que je la relie avec un robot. Donc là, on va faire très simple, on va le relier avec une caméra qui est capable de bouger, on appelle ça pan-tilt, donc verticalement et horizontalement. La question, c'est comment est-ce que je vais connecter les fils entre ici et ici ? Ben, je peux les connecter de cette façon pour dire que la caméra, effectivement, va suivre le stimulus. Et donc là, je pourrais, par abus de langage, appeler ça un comportement curieux. Quand je lui montre quelque chose, il le regarde. Avec exactement ce même modèle, c'est-à-dire je garde les mêmes équations, les mêmes simulations, le même fonctionnement, cette fois, je vais relier les sorties différemment par rapport à la caméra. Et cette fois, je vais avoir ce que je pourrais, encore une fois par abus de langage, appeler un comportement timide. C'est-à-dire qu'il va regarder à l'exact opposé du stimulus. Donc là, on commence à voir que avoir un corps, donc en l'occurrence pour ce modèle très simple, c'est être relié à une caméra, ça commence à vous donner une idée de que ce corps va être nécessaire si on veut interpréter le comportement du modèle. Je ne peux pas le faire de façon objective simplement en regardant ça. Si je veux le faire de façon objective, je peux simplement dire qu'il y a des corrélations entre l'activité
et l'image en entrée, mais ça s'arrête là. Je ne pourrai pas interpréter ce comportement tant que je ne l'aurai pas connecté à un vrai corps, donc en l'occurrence cette caméra. De la même façon, puisque là on a vu que c'était pour la partie motrice, on peut se demander est-ce que c'est pareil pour la partie sensorielle ? Est-ce que si la partie motrice joue un rôle dans mon interprétation, est-ce que la partie sensorielle va jouer un rôle aussi ? Alors il se trouve que, en tout cas pour l'attention visuelle, la réponse est oui. Donc cette fois, on a fait des modélisations un peu plus fines et on a été regarder les structures, une des structures du cerveau qui est responsable des saccades oculaires. C'est-à-dire lorsque vous regardez subitement un autre endroit. Donc une des structures cérébrales qui est impliquée, c'est ce qu'on appelle le colliculus supérieur. Bon, peut-être que vous ne le voyez pas très bien, il est ici, c'est au niveau du tronc cérébral. C'est une toute petite structure qui est assez amusante. Donc ce qu'on peut faire, c'est lorsque vous plongez l'électrode dans cette structure, que vous envoyez un petit courant, immédiatement ça fait bouger vos yeux. Et c'est comme ça que que la saccade est codée au niveau de cette structure. Le cerveau peut envoyer à un endroit l'activité pour dire « je vais aller faire une saccade à tel endroit ». Lorsqu'on regarde la façon dont est fait cette structure, il faut s'intéresser à la façon dont est fait la rétine humaine. On peut sûrement que vous le savez déjà, la rétine n'est pas une surface homogène en termes de récepteurs. On a la zone centrale qui est la fovéa, c'est là où on va avoir le plus de récepteurs, où on a la plus grande définition visuelle. Et la taille de cette fovéa, c'est lorsque vous tendez votre bras et que vous prenez un citron, vous regardez le citron, c'est à peu près la zone où vous voyez de façon nette. Le reste, en gros, n'est qu'illusion. Donc par exemple, vous avez là où le nerf optique traverse la rétine, vous allez avoir deux points noirs, mais que vous ne voyez pas dans la vie de tous les jours. Donc cette illusion de voir le monde est vraiment une illusion, et la rétine est vraiment faite différemment. Ça a des conséquences, c'est que lorsqu'on va projeter cette activité des récepteurs de la rétine au niveau de la structure du colliculus, en fait, on va avoir une déformation assez extrême de la géométrie. Donc, par exemple, si ici, c'est un modèle d'une demi-rétine, où là, je projette trois droites. Donc, peut-être que vous ne voyez pas, ici, il y a une droite, rouge, vert, bleu. Au niveau de la structure cérébrale, donc de ce colliculus supérieur, je vais recevoir ça comme activité. Donc, c'est-à-dire que cette petite barre là qui est en zone fovéale, donc au centre de la rétine, va être complètement déformée ici et va être vraiment magnifiée énormément. Alors que les deux autres vont être courbes et vont être représentées de façon beaucoup plus restreinte. Donc ça, on peut le modéliser relativement simplement. C'est ce qu'on a fait avec des doctorants et Frédéric Alexandre qui est dans la salle. Et on a regardé qu'est-ce que ça va induire comme propriété sur la décision du modèle. Donc je vais passer un peu les détails. Mais lorsqu'on présente donc un stimulus sur le modèle de rétine, le modèle va faire une saccade vers ce stimulus. Mais de façon plus intéressante, lorsqu'on va présenter deux stimuli, où est-ce que le système va regarder ? Autant avant, quand je présentais dans l'exemple que je vous ai montré avec les particules X, Y, on pouvait basculer dans un état ou dans l'autre, on ne savait pas lequel, les deux étaient équiprobables. Dans ce cas-là, à cause de la rétine, de la forme de la rétine, ici, on va avoir une préférence pour les stimuli qui sont centraux. Donc tout ce qui va être plutôt fovéal, on aura plutôt tendance à saccader vers ce qui... sur les stimuli qui vont être au centre de la rétine. Et donc ça vient simplement des propriétés physiques de la rétine. Donc la décision des saccades express, donc là je ne parle pas de s'il y a des retours top-down au niveau de cette structure, mais en tout cas pour les saccades express, on aura une tendance plutôt naturelle à aller choisir des stimuli qui sont centraux. En tout cas, selon ce modèle. Mais on a comparé aux expériences qui sont disponibles dans la littérature, et ça semble effectivement converger avec la plupart des résultats. Voilà, donc à partir de tous ces résultats, on peut aller encore modifier les modèles, c'est-à-dire les raffiner, leur rajouter des structures pour avoir de la mémoire, éventuellement de l'apprentissage, le fait de pouvoir faire des saccades. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, et je vais vous montrer le résultat un peu plus concret. Donc ça, c'est un robot qu'on avait acheté
lors de ces expériences, qui est muni d'une caméra, donc qui lui permet d'orienter son regard. Donc pour nous, pour lui, ça correspond au saccade. Il a deux moteurs, ça lui permet de se déplacer. C'était le plus simple pour se déplacer dans la zone. Et on a réalisé ce film pour montrer comment va fonctionner ce modèle d'attention visuelle. Voilà. Donc à la fin, Roger est content, il a attrapé son orange. Et j'aime beaucoup ce film parce qu'en fait, il met en scène tous les artifices du cinéma qui vous permettent de faire passer un message. Le modèle objectif qu'il y a derrière, c'est celui que je vous ai présenté. C'est le X égale, le Y égale. Donc évidemment, on est très très loin de la cognition. J'ai, en gros, pour simplifier, j'ai simulé deux équations et j'en ai ce résultat. La personne qui est venue filmer, en fait, l'a filmé d'une telle façon qu'il laisse entendre qu'il se passe vraiment quelque chose dans la tête de Roger. Donc c'est ce que j'ai mis en sous-titre, c'est « Est-ce que Roger aime les oranges ?» Non, bien sûr que non. Tout ce qu'il voit, lui, il a des filtres visuels qui vont aller attraper la couleur orange, il va faire fonctionner les équations, et derrière, il va attraper cette orange. Mais si on regarde ça de l'extérieur, si je ne vous avais pas expliqué tout ce modèle avant, la question est légitime de dire « Mais que fait ce robot ?» Si je n'ai pas accès à ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce que je peux en déduire ? Quel est son comportement ? Comment puis-je le qualifier ? Donc là, j'ai mis un exemple où on a deux scènes où on voit Roger qui a attrapé une orange de l'extérieur. Et la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ce qui s'est passé, à partir de cette image, je ne peux pas le savoir. Ici, je vous ai mis des activités internes qu'on a enregistrées au niveau du modèle. Et sans rentrer dans les détails, ben, l'un va dire « j'ai de l'anticipation » et l'autre me dit « je n'ai pas d'anticipation ». Mais ça, je n'y ai pas accès depuis l'extérieur. Donc c'est là, tout ce que je vais voir de l'expression du robot, c'est au travers de son expression. Et donc, tout ça nous amène à nous poser les questions sur qu'est-ce que ça implique pour nos modèles et pour l'étude de la cognition. Alors pour ça, il faut revenir à la définition de ce qu'est un modèle, et en tout cas moi, une définition que j'aime beaucoup est celle qu'a donnée René Thom, qui explique que pour aller, puisqu'on veut étudier la nature, que ce soit en physique, en biologie, on va avoir on veut étudier un être ou une situation. Donc ça peut être une abeille, ça peut être vouloir étudier la gravité. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a des questions sur la nature, mais on ne peut pas avoir directement les réponses. Et donc on va faire des modèles de cet être ou de cette situation, et les questions qu'avant on posait sur la nature, on va venir les poser au modèle. Et ce modèle, en faisant ce que René Thom appelle faire jouer le modèle, on va pouvoir trouver des réponses par rapport à ce modèle, et on va les retranscrire dans la nature. Donc c'est ça qui va être la démarche, et donc il faut avoir la question est préalable au modèle. Et j'ai envie de dire, ça va plutôt bien marcher, avec des choses comme, par exemple, la gravité, ou aller étudier des choses qui sont relativement objectives. La difficulté qu'on va avoir lorsque l'on veut interpréter des modèles, cette fois un peu plus computationnels ou biologiques ou cognitifs, c'est qu'on peut avoir des moyens de mesurer objectivement des variables, mais ça ne va pas nous dire quel est le comportement. Si on veut connaître le comportement de nos modèles, à ce moment-là, il faut les plonger dans un corps. Et donc, dans notre cas, ça va être des corps robotiques qui vont permettre, cette fois, d'objectiver et de quantifier les performances. Et ce qui va se passer, c'est que selon le corps qu'aura ce robot, bah, je vais aussi pouvoir interagir avec lui et interpréter son comportement. Donc pour simplifier, ça veut dire que cette qualification du comportement, il faut être extrêmement prudent, parce que c'est là où je risque de projeter beaucoup plus de choses qu'il n'y en a vraiment dans le modèle. Alors ça, on peut le montrer autrement. Donc là, c'est un robot. Donc je vous laisse deviner lequel est le robot, lequel est le vrai modèle. Enfin, pour moi, c'est assez évident, mais... Si, pour tout le monde.
Ouais, c'est celui de droite est donc ça s'appelle des géminoïdes. Donc c'est un chercheur japonais qui fait ça et qui fait des robots humanoïdes qui soient le plus ressemblants possible à un vrai humain. Et le problème, c'est que lorsque vous voyez ce genre d'humanoïde, vous en attendez énormément. C'est-à-dire que dès qu'il va se mettre à bouger, vous allez être énormément déçu parce que il parle à peine, il bouge de façon absolument pas naturelle. On en attend tellement, on a projeté tellement en lui que quand on le met en route, on est extrêmement déçu. Et de la même façon, si vous faites une lampe, bah une lampe de bureau, a priori, vous en attendez rien. Et c'est là où la magie va un peu opérer, c'est que si on la met en route, donc c'est un projet étudiant qui date de un peu plus d'un an. Donc c'est un peu le principe de la lampe Pixar pour ceux qui connaissent. Il a pris une lampe d'architecte qu'il a motorisée et il lui a mis des algorithmes relativement simples. Donc c'est assez amusant. Et la question, c'est effectivement, le concepteur essaye de l'éteindre et la lampe ne veut pas s'éteindre. Ou du moins, c'est comme ça qu'on l'interprète. Donc on a fait refaire ce projet à des élèves. Donc on leur a demandé de refaire la lampe avec les moteurs et ils nous ont demandé, mais comment on va faire quand on l'éteint pour qu'elle se rallume et qu'elle s'éteigne? Et ce qui nous allait, et pourtant c'était des gens qui connaissaient la robotique. Évidemment, ce que fait cet interrupteur, il n'éteint absolument pas la lampe, il lance un programme qui va venir faire que la tête descend et vient appuyer sur le bouton. Donc nous, on va interpréter cet interrupteur comme quelque chose qui éteint la lampe, évidemment, ce n'est pas du tout ça. Donc là aussi, ça souligne à quel point on peut être simplement parce qu'on projette énormément dans cet artefact, on n'en attendait rien, mais on le trouve sympathique, il a quelque chose qui pourrait ressembler à une tête, il a presque un corps, on le voit bouger et on a l'impression qu'il nous regarde. Et ça nous a amené à nous poser des questions sur effectivement, pour évaluer les modèles, comment est-ce qu'on va faire pour reconnaître cette cognition? Donc, comme il me reste peu de temps, je vais aller assez vite, mais il y a l'idée de, je pense que vous connaissez le test de Turing. Donc il y a un vieux test qui a été beaucoup décrié parce qu'il y a tout un tas de problèmes qui sont liés au test de Turing. En gros, c'est pour reconnaître si une machine est intelligente. Et nous, en tant que modélisateurs, ce qui va nous embêter là-dedans, dans le test de Turing, c'est qu'on a la dimension verbale. Et cette dimension verbale du langage, c'est un problème extrêmement dur pour nous. Et donc l'idée, c'est on va enlever cette dimension verbale. Et est-ce que, même si on n'a pas le langage, est-ce que je peux reconnaître une machine par rapport à un humain, si, par exemple, dans le cas de la lampe, sa seule expression, c'est la lampe? Donc, est-ce que si je mets quelqu'un derrière, caché, en train de manipuler la lampe avec un joystick, et qu'il essaye d'interagir avec un humain, versus si je mets un modèle à moi, est-ce que je pourrais faire la différence? Donc, aujourd'hui, c'est en cours, on est en train de regarder ça avec des psychologues et philosophes. J'ai malheureusement pas la réponse. Mais c'est vraiment cette idée que, encore une fois, on projette tellement et tout le temps que là, vous avez, ça, c'est des poivrons coupés en deux. Alors évidemment, ils sont un petit peu particuliers puisque on a vraiment l'impression qu'ils ont été horrifiés d'avoir été coupés en deux. Donc là, on voit aussi quelque chose comme un visage. Là, on peut retrouver aussi des petits smileys et même sur une boucle de ceinture. Donc c'est vraiment cette idée que l'œil de l'observateur est important et le corps de l'observateur est important parce que c'est à travers lui qu'on va projeter énormément de choses.
Donc voilà, la suite de ces travaux, c'est effectivement de se rendre compte, et pour conclure, c'est que cette incorporation des modèles va contraindre la cognition, que les émotions vont jouer un rôle assez critique. J'en ai absolument pas parlé, mais c'est quelque chose qui nous faut aussi attaquer, et que le comportement est motivé. C'est-à-dire que les modèles vont devoir vouloir faire quelque chose. Et à partir de ça, on va avoir des nouvelles questions qui vont arriver et qu'il faudra résoudre. Donc pour l'instant, le seul apport de ces recherches, c'est d'amener encore plus de questions qu'il n'y en avait avant. Je vais juste finir sur. J'ai plus. Voilà. Donc juste pour reprendre une citation, c'est David Marr, que j'aime beaucoup, pour dire, voilà, pour comprendre la perception, si on est en étudiant simplement les neurones, ça va pas suffire. Il faut aussi avoir un sens de l'ensemble du cerveau pour comprendre. Et l'image qu'il donne, c'est de dire, si on veut comprendre le vol, on peut aller étudier les plumes individuelles de chaque oiseau, mais ça va être extrêmement difficile de comprendre le vol simplement en observant les plumes individuellement. Il faut avoir une espèce de sens global. Et le corollaire de cette image, c'est que à la fin, il y a d'autres façons de voler. Donc ça va être un peu pareil pour la cognition. Là, je vous vois un exemple où vous pouvez prendre la main humaine, donc qui est un outil extrêmement perfectionné, et essayer de le refaire trait pour trait, c'est-à-dire de faire une main robotique avec des doigts. Et là, vous allez vous retrouver avec tout un tas de problèmes difficiles à résoudre. Donc Pierre-Yves en a parlé tout à l'heure, c'est que le corps peut vous résoudre vraiment énormément de problèmes. Donc dans ce cas-là, il y a des doigts métalliques, ce qui va faire que ça, l'appréhension va être extrêmement difficile. Donc pour vous donner l'idée, vous mettez des dés à coudre sur tous vos doigts et vous essayez d'attraper un crayon. Vous vous rendrez compte qu'en fait, la pulpe des doigts va vous aider. Et quelque chose de radicalement différent, c'est d'inventer d'autres façons d'attraper les objets. Donc bon, ça, je vais m'arrêter là, je pourrais vous expliquer cette image si vous voulez après. Voilà, je vous remercie. Donc il y a des questions dans l'Assemblée? Oui. Que vous avez montré en vidéo avec l'orage, je comprends que l'algorithme de suivi oculaire, etc., était généré complètement par cette formule très simple, mais le fait qu'il a bougé pour se rapprocher et qu'il finalement il a attrapé ça, c'était aussi émergent. Vous y avez quand même des connexions entre son système, disons, système visuel, motrice, locomotive. Alors, Ça, c'était mis, en fait, vous avez commencé une version beaucoup plus simple avec Shai, plutôt, mais on pourrait très bien faire un robot qui va s'éloigner le plus possible de Orange ou qui va faire tout ce qu'elle a attrapé. oui, Cette là, décision, elle a été mise pour vous, c'était un comportement émergent. On a dû le mettre. Parce que là, l'autre façon de le faire, c'est d'avoir toutes les combinaisons possibles dès le début et d'apprendre quelle est la bonne combinaison. Donc ça, c'est une autre façon de faire, c'est que par apprentissage, on va apprendre quel est le bon comportement. À ce moment-là, il faut donner un signal au robot, donc comme Pierre-Yves a montré, par exemple, pour dire si c'est effectivement le comportement qui était attendu ou pas. Dans ce que j'ai montré, le film que j'ai montré, là, on a relié de façon hardware les fils pour dire il faut effectivement avancer pour se rapprocher de l'orange. Donc dès que l'orange devient trop petite ou trop grosse, on peut à partir de ça savoir s'il faut avancer ou plutôt reculer parce que la taille de l'orange est à peu près standard. Dans le cas de Roger, c'est l'intentionnalité, c'est nous qui l'avons mis. Je ne prétends pas que Roger il ait fait quoi que ce soit. Effectivement, dans ce cas-là, le problème, c'est que si on ne peut pas ouvrir, si on n'a pas accès à l'algorithme, la question, c'est comment je fais pour savoir ou pour interpréter. C'est là où la difficulté arrive, c'est que tant qu'on peut ouvrir la boîte, ça va, je peux expliquer ce qui se passe. Mais devant ce même comportement sans explication, ça devient beaucoup plus ambigu. Comment vous modélisez la motivation d'une manière simple? Et est-ce que c'est un truc qui doit être intrinsèque ou est-ce que c'est quelque chose qui peut émerger? Alors, une façon
simple de donner de la motivation, c'est par exemple d'avoir de la physiologie artificielle. Donc ce qu'on fait actuellement avec des collègues, c'est on va mettre un niveau de faim et de soif artificiel au niveau du robot. Donc il y a un niveau qui décroît, et donc évidemment c'est tout virtuel, le robot ne boit pas pour de vrai, mais on va mettre cette variable, donc on va en fait modéliser l'intérieur du corps, et cette variable va décroître au cours du temps. Lorsque le robot va aller vers ce qu'on lui désigne comme étant une source, à ce moment-là, il va faire l'action de boire, et cette action va remplir ses réservoirs virtuels, entre guillemets, et va générer un signal de récompense, par exemple. Et à partir de ça, on peut effectivement faire que le robot soit motivé pour boire et manger et commencer à avoir des motivations à partir de ces deux variables. Mais à un moment, vu que le robot n'a pas de réels besoins physiologiques, alors si on peut le faire avec les batteries, il faut partir de quelque chose. D'accord. En fait, vous rajoutez aussi des grandeurs de plaisir ou de détresse? Alors, on va pas interpréter ça comme plaisir, on va parler de signal de récompense, donc je pense notamment on va plutôt parler de signaux dopaminergiques, de choses comme ça. Après, de dire que c'est effectivement un plaisir, vu que ça peut être connoté de différentes façons, ça va être difficile. Et de la même façon, la douleur, on va pas savoir est-ce que c'est l'inverse du plaisir. En tout cas, au niveau des modélisations, c'est pas du tout évident que ce soit juste l'inverse. Donc c'est là où il faut faire un peu, il faut qu'on fasse attention là aussi. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du test de Turing pour la conscience artificielle, et ça m'amène à vous demander ce que vous pensez de l'argument de son grand détracteur Searle avec sa chambre chinoise. Ce que je pense de Searle publiquement, ouais, bon. Alors, l'argument a été avancé, il a été beaucoup, enfin, il y a une littérature énorme derrière. Je crois que, j'avoue, très honnêtement, je ne pense pas avoir toujours très bien compris son argument. Donc c'est relatif à la sémantique, à la syntaxique. C'est toujours un argument qui... le débat est un peu vieux maintenant, mais ça a généré une telle littérature. Et très honnêtement, je n'ai pas compris son premier argument, quoi. Le fait qu'il y ait effectivement un homme dans la machine pour transcrire les choses, je pense qu'il a raté une des parties du problème. Et donc pour moi, c'est vraiment pas... je pense que son argument n'est pas très satisfaisant, mais de la même façon que effectivement le test de Turing n'est pas forcément très satisfaisant, parce que la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des robots qui passent le test de Turing. Donc je pense au prix... c'est Loebner, je crois, qui s'appelle, et où on peut faire croire à des gens qui sont avertis, hein, qui vont éventuellement avoir affaire à une machine, qui vont se faire leurrer par la machine. Parce que les concepteurs ont développé des stratégies vraiment en dehors des systèmes de pensée de ce genre de recherche. Donc le plus simple étant que, je crois qu'il y avait un robot, s'il y a eu un match de foot la veille, donc ça il l'a parce qu'il a accès à toutes les informations, il va demander à la personne avec qui il discute « qu'est-ce que tu penses du match de foot ?» Avec un peu de chance, si la personne aime bien le foot, en fait, c'est la personne qui est censée dire si c'est une machine qui va se mettre à parler toute seule. Donc, il y a des gens qui ont développé, pour passer le test de Turing, la stratégie, c'est de faire parler les autres. Et apparemment, ça marche. Enfin, juste dans une certaine mesure. Mais c'est la même chose avec, je ne sais pas si vous connaissez Elisa. Non, c'est Weizenbaum, c'est dans les années 70. En fait, on s'aperçoit que les gens se mettent à parler pendant 20 minutes, une demi-heure. Et au bout de... Ils s'aperçoivent au bout d'une demi-heure qu'en fait, ils étaient tout seuls à parler. Le programme ne faisait que reprendre des mots-clés et poser des questions. Alors, dans le genre d'exposé auquel nous avons assisté, moi, j'ai toujours un problème parce qu'il y a un point noir sur lequel il n'y a aucun exposé. Vous prenez, par exemple, la fonction dans laquelle vous avez mis en relation le potentiel membranaire, la position la position X, la variable T, etc., etc., un noyau, une fonction, vous mettez en place des intégrales, des dérivées partielles, etc. Et pourtant, si l'on veut vraiment aller au fond des choses, tout ceci est explicable et compréhensible. J'ai deux questions. Premièrement, d'où viennent ces équations? Et deuxièmement, pourquoi
ne donnez-vous point d'explication effective en vulgarisation réelle qui est possible de cette équation dans laquelle vous mettez des dérivés partiels, des intégrales, etc. Et la compréhension est réelle, est réalisable. Donc il y a celle-là. Alors d'où viennent ces équations? C'est le travail de modélisation. Donc en gros, comme on fait des modèles computationnels et mathématiques, modéliser, ça veut dire, en tout cas dans ce cadre-là, et c'est ce qu'on fait depuis un certain moment, c'est aller modéliser ce potentiel membranaire, comment il va évoluer au cours du temps et sous l'influence des autres neurones. Ça, c'est une équation. Des équations comme ça, pour modéliser le neurone, il y en a des milliers et des milliers, parce qu'il y a énormément de modèles de neurones. Il n'y a pas un seul modèle de neurone aujourd'hui, il y en a potentiellement des milliers. Cette équation n'en est qu'une parmi tant d'autres, et nous, en tant que modélisateurs, à un moment, il faut faire effectivement des choix. Donc pourquoi on va choisir cette équation plutôt qu'une autre? Donc là, c'est les arguments de la littérature qui vont nous donner des raisons, et puis aussi notre propre croyance que ce système est suffisamment simple et donne suffisamment d'explications par rapport au phénomène qu'on cherche. Donc on va prendre celui-là. D'autres personnes vont par exemple s'intéresser aux neurones. Les neurones font des spikes, ce que ne fait pas ce modèle. Et à ce moment-là, on se retrouve avec des modèles beaucoup plus complexes qui sont beaucoup plus difficiles à maîtriser, notamment parce qu'on va avoir beaucoup de paramètres à mettre en œuvre. La question est la suivante. Dans cette équation, comment expliquez-vous la mise en œuvre du temps, la dérive partielle de par rapport au temps qui est spécial, la mise en œuvre de cette relation qu'on peut donner mathématiquement une explication pourvu qu'on ait le sens de tout ce qui est mis en œuvre à chaque moment de cette équation? Je peux effectivement. C'est ça la question. Il n'y en a pas d'autre. Pas de souci, je peux vous le donner. Donc là, effectivement, c'est l'évolution du potentiel membranaire du neurone. Donc c'est la variable U. Ici, ce terme veut dire que s'il n'y a pas d'influence externe au neurone, la variable va revenir vers zéro. Voilà. Donc ça veut dire pas d'activité de l'extérieur. Par défaut, j'ai pas d'activité spontanée. Je vais revenir par zéro. Éventuellement, je peux ce potentiel de repos, je peux dire que c'est H et non pas 0. Donc ça, c'est une constante que je peux choisir. Je peux aussi donner un courant. C'est-à-dire, je vais fournir une information supplémentaire à ce neurone. Input, ici, ça représente ce signal bleu, ici. C'est ce que je donne à chaque neurone. Et la partie la plus intéressante, c'est celle-là. Cette équation va expliquer comment les neurones interagissent les uns avec les autres. J'ai un potentiel U. Quelle information je vais envoyer aux autres neurones? Ce neurone, il va recevoir de tous les autres neurones. C'est pour ça qu'on a un intégral qui va de moins l'infini à plus l'infini. Cette fois, on est dans le domaine spatial. Donc, c'est un modèle mathématique. On suppose qu'on a un cerveau infini. Et là, j'ai un poids de connexion qu'il faut que je choisisse aussi. C'est une fonction que je vais choisir. Et là, je retrouve le potentiel de l'autre neurone. Donc, quand je suis un neurone, j'ai l'influence de tous les autres neurones. Je reçois et j'intègre ça au cours du temps et je fais fonctionner le modèle de cette façon. Donc c'est comme ça que l'équation en tout cas est interprétée au niveau de ces modèles. Allez-y. Votre propos me conduit à une réflexion, à une interrogation. La réflexion, c'est que ce qu'on appelle habituellement le handicap, constitue une diversité corporelle qui modifie la cognition et donc la posture épistémologique. Alors, mon interrogation, c'est quelle mobilisation utile, efficace peut-on imaginer du handicap dans la conception des stratégies recherche et notamment dans les sciences cognitives? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Je ne suis pas sûr de saisir le sens de... Ce que je comprends de votre propos, c'est que la forme du corps modifie la cognition. Ah, oui. Donc la posture épistémologique. Donc le handicap est-il mobilisable dans la conception des stratégies recherche et si oui, et notamment dans les sciences cognitives? Effectivement, dans les corps, dans les modèles qu'on met en œuvre, donc on a travaillé aussi sur ce qu'on appelle donc le cortex somatosensoriel et notamment le développement des représentations du corps. C'est-à-dire comment est-ce que... Donc ça, c'est l'homonculus, mais cette fois, l'homonculus sensoriel qu'on va retrouver au niveau du cortex. Et
Là, ce à quoi on s'intéresse, c'est lorsqu'on va avoir des lésions, des pathologies. En fait, on s'aperçoit, alors je sais pas, c'est peut-être pas aussi large que le handicap, mais c'est en termes de pathologie, on s'aperçoit que évidemment l'image du corps est modifiée, et cette fois on va s'intéresser aux mécanismes qui permettent de réorganiser ces représentations. Donc l'image du corps qu'on va avoir au niveau du cerveau va correspondre à celle du corps. Lorsque le corps va se modifier, l'image du cerveau va elle aussi se modifier par ces mécanismes de plasticité, dans la plupart des cas. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Pas du tout, mais je crois que... Décidément. Merci beaucoup. Merci.